Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors j'ai été contacté par une personne, Marika, qui me demande si je peux l'aider. Elle a un problème avec son tour à bois. Et puis on va faire le tour de la question, voir si à quelque part je peux trouver la solution à ce problème. On va au tour à bois et on regarde ça. Donc j'ai une pièce de bois située entre pointes. Et ce que Marika me signale, c'est que son tour fait ça. C'est-à-dire que la pièce de bois, elle... Si on a un petit peu trop de pression, la pièce de bois arrête. On commence par la poupée fixe. J'ai dit poupée fixe, je voulais parler de la poupée d'entraînement. Donc, c'est cette poupée qui fait tourner la pièce de bois. Dans les particularités, c'est que la pointe ici, elle peut s'enfoncer. OK? Et puis, si vous remarquez, Marika, si tu remarques comment la poupée est faite, elle vient tout simplement créer un rond. Cette poupée-là, elle est créée justement, c'est ça son but, c'est de protéger le tourneur. Eh bien, cette poupée-là, elle est pensée pour que le bois s'arrête. Personnellement, justement, je ne l'aime pas parce que des fois, je mets un peu de pression et tout ça, et puis, ben, justement, la pièce de bois arrête. Donc, ça, c'est une possibilité. La poupée d'entraînement que j'utilise toujours quand j'ai besoin, c'est celle-ci. Donc, elle a une forme de croix et encore au centre, on a ce truc-là qui est monté sur ressort. Et puis, évidemment, l'idée, c'est que avec la pression, quand je te parlais, Marika, de pression, c'est que lorsque ma pièce de bois, elle est entre pointes, ça me prend une certaine pression. Faut que je pousse dessus un peu pour pas que la pièce de bois tourne sur les dents de la griffe. Bon, maintenant, quand on parle de pression, combien de pression, c'est vrai qu'on parle ben, à peu près jamais de ce sujet-là. Combien de pression je dois mettre à la contrepointe pour que ce soit OK? La réponse courte, c'est évidemment, on est barré ici. On donne une bonne pression. On serre vraiment fort, vraiment, ben, assez fort. Et puis, je libère la tension sur les roulements à billes. Je fais juste reculer un petit peu et ensuite de ça, on barre. Ce qui fait que ma pièce de bois ne tournera pas sur ma griffe d'entraînement. Un autre détail à vérifier, c'est la tension de la courroie. La courroie doit être bien tendue sans que ce soit excessif parce que sinon la courroie va s'user prématurément, mais ça prend quand même une certaine pression. Et puis, voilà, parce que si on n'a pas assez de pression, ben justement, lorsqu'on touche le bois avec le fer, avec la gouge, ben tout continue de tourner, sauf la pièce de bois. Et ceux qui se souviennent de ma vidéo où j'avais un bruit assez sérieux à mon tour à bois, c'est que, en fait, il faut s'assurer aussi que les poulies sont bien serrées sur l'axe. Parce que si justement on vient mettre la gouge au bois et que ma poulie n'est pas assez serrée, ben, ça arrête de tourner. Et puis voilà. Donc voilà, Marika, c'est ma petite réponse à ta question. J'espère que ça t'a été utile. Dis-moi en commentaire si tu es venu à bout de la difficulté. Et je t'oublie pas, Fabrice, je suis en train de préparer ta vidéo sur les outils carbure. On se dit à la prochaine.